cryogène. Une map que je ne connais pas. On va voir ça tout de suite. Ça a l'air plutôt stylé. Donc il y a le nouveau spécialiste non plus que j'ai pas pu tester, hein, que j'aurais bien aimé. Mais à mon avis c'est un peu chaud de l'avoir. Du coup je m'en bats un petit peu les couilles. Les couilles. Donc je suis en découverte, hein. Me jugez pas, hein, je le répète, mais c'est important les gars. Je suis pas chaud sur le jeu, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et je suis en PLS actuellement. La map a l'air putain de grande. A l'air assez chelou, il y a des bâtiments, il y a l'extérieur. Oui monsieur, il y a du monde par là. Ah là là, j'ai failli l'avoir. On va essayer de limiter la casse, mais... Ok, ouais, vraiment trop bien, ouais. Un petit morceau. Putain, je me fais tuer deux fois au couteau, là, je suis pas bien. Moi, en tant qu'objectif player, voilà, je suis en mode, je prends le point C, je suis en mode beau gosse. Toi, tu connais les bails, je vais essayer d'aller sur le point B, même s'il a l'air dur à prendre. Ok, dur à prendre, ouais, c'est le mot, on peut le dire. Il y a l'air d'avoir du monde. Il y avait l'air d'avoir du monde. Parce que moi je suis un mec qui fait le ménage. J'ai pas de balai les potes, mais je fais le ménage. On n'a pas de balai, mais on fait le ménage. Ah oui, non mais lui il se téléporte ou quoi? Gros, ça glissade gros, il était dans le turfu. Non, par là. Voilà les gars, je vous dis, je suis de retour. Je suis de retour sur BO2, ça rigole plus. Enfin, double. N'importe quoi, le mec se rappelle plus du jeu auquel il joue. Non, je suis de retour sur Black Ops 3 les gars. Ça rigole plus. Je suis en mode hyper chaud là. Cette map me plaît, hein. J'ai l'air de bien m'en sortir en tout cas. Waouh, oh, ils arrivaient de partout gros. J'avais l'impression d'être en mode zombie, tu sais. Genre il y a les vagues d'ennemis qui arrivent. Ils ont cru que j'étais tout seul sur la map là. J'étais pas bien. Non, vraiment, vraiment belle map. Ils ont bien utilisé, je trouve, en tout cas dans ce DLC et dans certaines maps, ils ont bien utilisé le fait qu'on puisse courir sur les murs. Ça se voit d'ailleurs, les murs sont vachement lisses, il y a peu de fenêtres. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment des bâtiments très lisses, mais voilà, c'est ce qui fait la beauté du charme du jeu. Mais putain! Mais c'est une blague ce type là là! Il saute sur moi, il se prend aucune balle là. Le mec il est même pas rouge. Ouais bon bah la défaite je la digère pas trop. 15-15 c'est un score plutôt pas mal, plutôt raisonnable. Surtout quand on n'a pas joué depuis 20 ans. Puis qu'on joue sur une map qu'on n'a jamais joué. Mais, parce qu'il y a un mais. Il y a toujours un mais de toute façon. Mais ce fut une belle partie. Voilà, je regrette rien. Voilà c'est les ennemis qui ont été plus forts. Rien à dire. Mais la map franchement elle est pas mal du tout aussi. Celle-là, je l'aime plutôt bien. Voilà. Vraiment belle. Le style est plutôt pas mal. Comme je l'ai dit, un peu trop lisse à mon goût. Ça manque de fenêtres et de relief, entre guillemets. Mais voilà, très très joli. Enfin, voilà, les designers, ils font quand même un putain de boulot. Rien à dire sur le graphisme. J'enchaîne les nuits blanches, je dors que d'un œil, appelle-moi Hibou. Jusqu'au matin, je veille pas réellement sage, même si la nuit porte conseil. Je dors les yeux ouverts, je rêve d'une chouette dans ma vie, mais y'a que des vautours quand le soleil se lève. Je regrette rien.